Un enfant avec sa maman dans une galerie. L'enfant dit: Maman, la goutte d'eau voyage? La maman: Oui, elle tombe sous forme de pluie et traverse plusieurs lieux avant d'arriver dans nos robinets. L'enfant: Et pourquoi l'eau est précieuse? La maman: Elle est précieuse car c'est la vie pour les plantes, les animaux et l'homme. On l'utilise pour boire, se laver, faire la vaisselle, cuisiner, arroser les plantes. L'enfant: On l'utilise dans beaucoup de choses. La maman: Oui, et on ne doit pas la gaspiller. Maintenant, on passe à la vérification de la compréhension. On commence par la question numéro 1. À quoi sert l'eau? L'eau sert à boire, se laver, faire la vaisselle, cuisiner, arroser les plantes. La question numéro 2. Pourquoi l'eau est-elle précieuse? Car c'est la vie pour les plantes, les animaux et l'homme. La question numéro 3. Que fait la goutte d'eau? La goutte d'eau voyage. Un enfant avec sa maman dans une galerie. L'enfant dit: Maman, la goutte d'eau voyage? La maman: Oui, elle tombe sous forme de pluie et traverse plusieurs lieux avant d'arriver dans nos robinets. L'enfant: Et pourquoi l'eau est précieuse? La maman: Elle est précieuse car c'est la vie pour les plantes, les animaux et l'homme. On l'utilise pour boire, se laver, faire la vaisselle, cuisiner, arroser les plantes. L'enfant: On l'utilise dans beaucoup de choses. La maman: Oui, et on ne doit pas la gaspiller. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à s'abonner à la chaîne YouTube Madrasati Al-Tarbawiya.